J'ai l'impression qu'il est formaté, lui, c'est une machine, tu as compris. Il a juste un but, lui, il veut être le meilleur du monde et basta. Non, 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 c'est une qualité. Non, c'est une qualité. Regarde tous les grands champions dans tous les sports. C'est des mecs, c'est. À part Diego, que Maradona, que c'était un fada. Mais tout le reste, j'entends, c'est que des machines. Michael Jordan, c'était une machine, il allait justement en sélection, lui, pour apprendre des autres, pour connaître leurs petits secrets, pour pouvoir les battre. Cristiano Ronaldo, c'est une machine. Et quand je parle avec Pat Evra, il me dit, il m'invite à la maison. Il me dit, viens manger à la maison. Je vais pouvoir aller manger chez lui. Déjà, je me retrouve à manger une salade. Et après, il me dit, viens, on fait de la muscu, on va à la piscine. Je lui dis, si pour faire ça, je serais resté au salon d'entraînement. Non, mais tu as vu, Cristiano Ronaldo, c'est une machine. Kobe Bryant, c'était une machine. Et lui, c'est une machine. Il sait ce qu'il veut, tu vois. Et c'est une qualité. Il faut qu'il reste dans le même chemin s'il veut être le meilleur. Mais il est prêt pour jouer n'importe où, lui. Bah ouais. Il est titulaire dans n'importe quelle équipe. Je sais pas, si tu veux vraiment marquer l'histoire, essaie de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Là, tu vas vraiment marquer l'histoire. Le Real de Madrid, ils en ont gagné, ils en gagneront toute leur vie. Le palmarès de la Ligue des Champions, c'est le plus grand club. Mais si tu veux marquer l'histoire, c'est ta ville, chez Parisien. Tu gagnes la Ligue des Champions PSG. En gros, c'est ton équipe à toi et celle de Neymar. Après, c'est un choix, c'est lui.